S'il y aurait été une pièce de la maison, ce serait mon bureau. L'univers technologique, c'est carrément mon domaine, quoi. S'il y aurait été une pièce de la maison, ce serait la cuisine, je pense. Ce serait sûrement une pièce où on a l'habitude tous de se réunir, alors peut-être un salon, parce que c'est l'endroit où on se retrouve tous, où les décisions importantes se prennent ensemble, en famille. On a une relation avec nos clients qui est une relation de partenariat. Un mot qui est important et qui revient souvent dans cette relation qu'on a avec, avec nos clients, c'est l'accompagnement. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille avec Aura, donc on a eu l'occasion de les tester et c'est vrai qu'ils ont pu nous prouver que c'était possible d'allier et qualité et réactivité sur des profils intérimaires. Aussi bien à travers la relation qu'on va avoir avec nos clients, qui est une relation de proximité. En travaillant ici depuis deux mois, je n'ai pas l'impression d'être intérimaire. Et puis même mes collègues ne me font pas ressentir que je suis intérimaire, quoi. J'ai l'impression d'être un salarié à part entière de ce compte. Alors on s'y est tous mis, toute l'agence, tout le monde, tous ensemble, à chercher le profil. Et on a réussi à 17h à faire venir quelqu'un en agence. Chez Aura Staffing, on pousse les gens à faire du sport. Alors, régulièrement, on fait du football avec des intérimaires, on fait des tournois de football contre d'autres entreprises. Aura, c'est une équipe. Tous les jours, c'est un travail d'équipe et la réussite, on ne la doit pas à une seule personne, mais à toute l'équipe d'Aura Staffing.